Bonjour Oui, Daniel. bonjour. Donc, je rappelle que vous êtes herboriste naturopathe à Serein et vous revenez du bois encore avec une trouvaille. Oui, voilà, j'ai découvert le lycope d'Europe. Tu vois, c'est ici. Elle est en train de pousser, puis elle fera des fleurs ici, vraiment au bord des feuilles. Donc, c'est une plante particulière parce que, si tu veux, il y a beaucoup de remèdes. Il y a des remèdes pour l'hypothyroïdie. Donc, quand la thyroïde travaille trop bas, donc on prend du poids. On a toutes sortes de problèmes, constipation, il y a tout qui ralentit, hein, qu'on a un thyroïde ralenti, c'est un organe clé. Et là, c'est une plante qui agit dans l'hyperthyroïdie, donc quand la thyroïde travaille trop. Ça, on le voit dans la prise de sang, il suffit d'une prise de sang. Donc, ça s'appelle le lycope d'Europe. C'est une des rares plantes qui va agir sur ce domaine-là. Elle agit aussi sur les bouffées de chaleur, mais en fait, sa principale indication, c'est l'hyperthyroïdie. Donc, c'est une plante utile à connaître. On l'utilise en teinture-mère, c'est souvent une goutte par kilo de poids. Là, il faut voir un peu chaque poids, etc. On fait des petites cures de 3 semaines. Donc voilà, c'est simplement pour faire connaître le lycope d'Europe que je vais continuer à regarder grandir, pousser, etc. Merci beaucoup, Voilà, Daniel. bonne journée. Bonne journée.